بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc nous continuons la lecture de l'explication de l'Umatul Atiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, et l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc durant le cours dernier, on avait traité la parole de l'auteur, parce qu'il a dit wa'udilat رواته نؤمن به ولا نرده ولا نشحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين. Que nous devons accepter les hadiths authentiques qui sont rapportés dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous devons croire en ces hadiths, que nous ne devons pas les rejeter ni les nier. Et également, nous ne devons pas les interpréter en leur donnant une interprétation qui est contraire à leur sens évident. Et également, on ne doit pas faire ressembler les noms et attributs d'Allah Azzawajal aux attributs de ses créatures. Et Cheikh Fawzan Hafidhahullah avait cité plusieurs exemples de versets du Coran qui interdisent de faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala certaines de ses créatures et à ne pas donner de semblable à Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit wa la tafala tadribu lillahi al-amthal wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa hal ta'lamu lahu samiyya. Et Cheikh Fawzan avait cité la parole d'Allah Azza wa Jalla, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et que la première partie de ce verset, c'est-à-dire que rien ne lui ressemble, était une réponse à Al-Mu'attilah, qui sont une secte qui nie tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette première partie du verset répondait à Al-Mushabbiha, ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ici Allah azza wa jalla dit laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Et dans la seconde partie du verset, wa huwa as-sami'u al-basir, et c'est lui, rahmukallah, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout, était une réponse à Al-Mu'attilah, qui eux nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jalla s'est lui-même attribué l'attribut de l'ouïe et de la vue. Thumma yaqulu al-mu'allif wa la bi simati al-muhdathin wa na'lamu anna Allah la shabiha lahu wa la nadhir ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. Que nous ne devons pas faire ressembler Allah Azza wa Jal aux attributs de ses créatures. ولا بسمات المحدثين. Et également, on ne doit pas faire ressembler Allah Azza wa Jal à ce qui caractérise ces créatures. السمات هي الصفات كما قال الشيخ الفوزان هي الصفات والخصائص والمحدثون هي هم المخلوقون لأن كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن فنحن لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين والمعنى واحد لكن من باب التأكيد. Donc nous ne devons pas faire ressembler Allah Azza wa Jal à ce qui caractérise ces créatures. Et المحدثون dans la parole de l'auteur signifie al-makhluqun, c'est-à-dire ceux qui sont innovés, car toute créature est innovée, c'est-à-dire qu'elle a été créée de néant, qu'elle n'était rien auparavant et qu'elle a été créée par la suite. Et donc nous ne devons pas faire ressembler à Allah Azza wa Jal ces créatures. Ceci est, comme l'a dit Cheikh Fawzan, un appui de l'auteur, c'est-à-dire une insistance de l'auteur sur ce sujet, car il est important. ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de ressemblant et n'a pas d'équivalent. هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير يعني لا أحد يشبهه سبحانه والنظير هو المساوي للشيء فلا أحد يساوي الله جل وعلا تقول هذا نظير هذا أي هذا معادل لهذا ومساوي له والله جل وعلا ليس له شبيه في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا نظير له فيها لا أحد يشاركه سبحانه فيما يستحق من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال وهذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات
حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون من المعطلة غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. Donc, Cheikh Fawzan dit, ceci est la croyance des gens de la vérité, à savoir que nous ne devons pas faire ressembler quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, de même que nous ne devons pas lui donner d'équivalent. Et al-nazir, c'est-à-dire l'équivalent, c'est ce qui équivaut à une chose et ce qui est comparable et exact à une chose. Rien n'est comparable et n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans son essence, ni dans ses noms et dans ses attributs. Et personne n'associe ou n'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses caractéristiques, à savoir que Allah azza wa jalla est le seul qui mérite d'être adoré, qu'Allah azza wa jalla est le seul qui détient les attributs les plus complets et les qualificatifs les plus majestueux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient seul. Il y a dans cela une réponse à al-mushabbiha alladhina ghalaw fi al-ithbat fi ithbat al-asma wa sifat hatta shabbahuha bi sifat al-makhluqin. Et ceci est une réponse à al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah azza wa jalla à ses créatures, c'est-à-dire qu'ils ont attesté les noms et attributs d'Allah azza wa jalla de façon abusive. Ils ont dit oui, Allah entend, oui, Allah voit, oui, Allah a deux mains. Et ils ont insisté et abusé dans cette attestation au point qu'ils ont fait ressembler les créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou qu'ils ont fait ressembler Allah à ses créatures en disant que les mains d'Allah sont comme les mains de ses créatures. Wal'iyadu billah. Wal'awwaluna min al-mu'attila ghalaw fi at-tanzih hatta 'attalu Allah min asma'ihi wa sifatihi. Et l'autre secte qui est al-mu'attila, eux ont nié les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et ont abusé dans cette négation au point d'avoir rejeté de façon catégorique les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. À savoir, ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'entend pas et qu'il ne voit pas, car le fait de dire qu'Allah entend et voit, cela le fait ressembler à ses créatures, donc il est inconcevable qu'Allah puisse entendre et voir, donc il n'a pas de oui, il n'a pas de vue. Ils rejettent catégoriquement. Il y a donc deux extrêmes, ceux qui ont attesté abusément et ceux qui ont nié abusément également. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط لم يعطلوا أسماء الله ونزه الله جل وعلا عن النقائص تنزيها بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل فتجنبوا غلو الطائفتين غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة كل كلا الطائفتين غال في مذهبه أما أهل السنة والحمد لله فهم المعتدلون وعلى مقتضى الكتاب والسنة وهكذا الحق دائما هو الوسط بين الضلالتين. Et à Cheikh Fawzan, حفظه الله, dit, quant aux gens de la sunna et de la jama'a, ils sont au milieu. Ils n'ont pas nié les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et ils ont exempté Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut sans nier les noms et attributs d'Allah azza wa jal, et ils ont attesté également ces noms et attributs subhanahu wa ta'ala sans les faire ressembler à ces créatures. Ils ont donc délaissé l'abus des deux autres sectes et se sont contentés d'être sur le juste milieu et de suivre ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Fawzan a dit, et ceci est ainsi, et la vérité elle est toujours entre deux égarements. Et Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى, et ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. La vérité est toujours dans le juste milieu entre deux égarements, entre des gens qui abusent et des gens qui mentent, entre des gens dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal qui nient tout nom et attribut d'Allah Azza wa Jal et
d'autres personnes qui, eux, ont abusé au point de faire ressembler Allah Azza wa Jalla à ses créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. Puis l'auteur a dit, rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et tout ce que peut imaginer ton cerveau ou tout ce que peut faire apparaître ou tout ce qui apparaît dans ton esprit, eh bien Allah Azza wa Jal est autre. الله عز وجل أن يتوتر. هذه الآية قال الشيخ الفوزان هذه الآية ميزان لأهل الحق ترد على المعطلة وترد على المشبهة وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات وهو السميع البصير. هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم فوقعوا في تشبيه أشر مما فروا منه وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. Donc quand au verset où Allah Azza wa Jalla dit rien ne lui ressemble et celui qui entend tout et qui voit tout, Cheikh Fawzan dit que c'est un verset qui doit être la balance des gens de la vérité. C'est un verset qui répond aux deux extrêmes, comme on l'a cité précédemment, et Cheikh Fawzan a rajouté un point en disant que Al-Mu'attila, ceux qui nient tout nom et attribut d'Allah Azza wa Jal, nient les noms et attributs de peur de faire ressembler Allah à ses créatures. Et Cheikh Fawzan a dit, et ils sont tombés dans quelque chose de pire, à savoir qu'ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal au néant. Ils ont eu peur de faire ressembler Allah à ses créatures, et en fin de compte, ils ont fait ressembler Allah au néant. Pourquoi ? Car ils ont dit qu'Allah n'a pas de nom, qu'Allah n'a pas d'attribut, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, etc., etc. Donc ceci revient à faire ressembler Allah Azza wa Jal au néant. Cela que l'imam Ibn Qayyim a dit, « وَالْمُشَبِّهُ يَعْبُدُ صَنَمًا وَالْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا » Que Al-Mushabbih, que celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, en réalité, il adore une statue. Et Al-Mu'attil, celui qui nie tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il est comparable à celui qui adore le néant. Il adore le néant, il adore quelque chose qui n'existe pas, qui n'a rien qui le caractérise. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير لأنه هو أعظم من كل شيء فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يحيطون بالله جل وعلا علما فلا يعلم ذاته وأسماءه وصفاته إلا هو سبحانه فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى لأنه أعظم من كل شيء فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك في حق الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك لا تحيط به الأفكار والتخيلات. الله سبحانه وتعالى ne doit pas être imaginé dans les esprits. Car Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand et plus immense que toute chose. Il est donc interdit à quiconque de s'imaginer l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de se forger dans son imagination les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jalla dit, il sait ce qu'il y a ma bayna aydihim, c'est-à-dire il connaît les choses futures, wa ma khalfahum, ainsi que les choses passées. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا et ils n'ont pas de science sur lui. Yani, ils ne s'emparent pas de sa science. لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا c'est-à-dire que les créatures n'ont pas une science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf ce qu'Allah azza wa jalla leur a permis de savoir. لَا يُحِيطُونَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى عِلْمًا فَلَا يَعْلَمُ ذَاتَهُ وَأَسْمَاهُ وَصِفَتَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى c'est-à-dire qu'ils n'ont pas qui ne cernent pas Allah Azza wa Jal par leur science, car ils ne savent pas son essence, subhanahu wa ta'ala,
ils ne savent pas ses noms et attributs, et seul Allah Azzawajal connaît ses noms et attributs. Qu'est-ce que ça veut dire, seul Allah Azzawajal connaît ses noms et attributs? Comment est-ce qu'on doit comprendre cette parole de Cheikh? De l'essence. De l'essence, il a dit وَاسْمَاهُ وَصِفَتَهُ إِلَّهُ ne connaît son essence, ses noms et ses attributs que lui, subhanahu wa ta'ala. Le comment. Okay. Le comment, oui, on peut comprendre ça, mais aussi نعم Al-Kamal, mais aussi il y en a qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on connaît tous les noms d'Allah? Non. On connaît que les noms rapportés dans le Coran et dans la Sunna, mais il y a d'autres noms que Allah Azza wa Jal a et qui ne sont connus que de lui. Et on avait cité cela dans et ceci est cité dans une des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak ou anzaltahu fi kitabik ou allamtahu ahada min khalqik ou ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Ou Allah, je te demande par tous les noms qui sont à toi, anzaltahu fi kitabik, que tu as fait descendre dans ton livre, qui est le Coran, ou bien des noms que tu as enseignés à certaines de tes créatures, ou bien des noms que tu as gardés auprès de toi dans l'invisible. Dans l'invisible. Donc il y a des noms qu'Allah Azza wa Jal a et qui ne sont connus que de lui. Donc ici la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il faut bien sûr la comprendre, que nul ne connaît l'essence d'Allah que lui, que nul ne connaît tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui, et que nul ne connaît les attributs, c'est-à-dire le comment de ces attributs, que lui subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ يُحِيطُ بِالْمَخْلُوقِينَ وَالْمَخْلُوقُونَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ. Allah Azza wa Jal cerne parfaitement ses créatures. Quant à ses créatures, il ne cerne pas Allah Azza wa Jal par leur science. Donc, Allah Azza wa Jal ne doit pas être imaginé. Il ne doit pas être. On ne doit pas essayer de savoir comment il est, car Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose. Et tout ce que tu peux t'imaginer, toutes les formes que tu pourras forger dans ton imagination, eh bien, sache qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas comme cela. Qu'Allah Azza wa Jal sera contraire et sera autre que ce que tu as imaginé, car rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك قوله تعالى قال المؤلف ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الشيخ الفوزان من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش وردت أيضا في الأعراف ويونس والرعد والسجدة والحديد كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات والمخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي غير العرش قد جاء وصفه أنه بالنسبة إلى العرش كالحلقة ملقاة في أرض فلاه الكرسي وسع السماوات والأرض وهذا نسبته ومع هذا نسبته إلى العرش كحلقة بأرض فلاه ماذا تستغرق الحلقة من الفلاه فالعرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات وتحته جنة الفردوس لأن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن والعرش في اللغة السرير الذي يجلس عليه الملك لكن عرش الله سبحانه وتعالى لا يتصور ولا يتخيل عظمه وسعته وقد ذكره الله في كثير من الآيات ووصفه بالعظمة العرش العظيم العرش الكريم ذو العرش المجيد فدل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. Donc parmi les versets également, donc l'auteur a dit, et parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus du trône. Le Cheikh Fawzan a dit, ceci fait partie des versets qui prouvent
qu'Allah Azzawajal a des attributs. Il y a sept versets dans le verset, dans le Coran, dans le livre d'Allah Azzawajal, qui attestent l'attribut de l'établissement au-dessus du trône, qu'Allah Azzawajal est établi au-dessus de son trône, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus du trône dans Surah Taha verset 5. Puis il s'est établi au-dessus de son trône, le tout miséricordieux, dans Surah Al-Furqan, le discernement verset 59. Thumma stawa ala al-arsh. Puis il s'est établi au-dessus de son trône. Ces versets ont aussi été rapportés dans Surah Al-A'raf, le verset 54. Dans Surah Yunus, le verset 3. Dans Surah Al-Ra'd, le verset 2. Dans Surah Al-Sajda, le verset 4. Et dans Surah Al-Hadid, le verset 4 également. Tous ces versets attestent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'établissement d'Allah au-dessus de son trône. Wal-Arshu, et le trône, c'est le toit de toutes les créatures. Et c'est la plus immense des créatures. Et les créatures, comparées au trône, sont extrêmement petites. Wa huwa a'zamuha, c'est donc la plus immense des créatures, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. C'est-à-dire que le kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi vaste que les cieux et la terre. Wal kursiyyu ghayra al-arsh. Et le kursi, c'est autre que le trône d'Allah Azza wa Jal. Et il a été rapporté que le kursi, comparé au trône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une comparaison, à savoir que c'est comme كَحَلْقَةٍ مُلْقَاتٍ فِي أَرْضٍ فَلَاهُ. كَحَلْقَة, qu'est-ce qu'une halqa? Un anneau. Un anneau qui a été jeté dans une terre vaste, dans une terre étendue, une terre immense. Mais qu'est-ce qu'un Mariel Halqa? C'est quoi un anneau? C'est quoi un anneau? C'est une bague. C'est quoi un anneau? Un anneau, ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut faire un kilomètre de diamètre, ça peut faire 2 millimètres. C'est quoi un anneau? Hein? Un halqa, c'est un anneau. Mais dans le hadith, de quel anneau il a été fait affluent? Non. Pas une bague. Les savants ont dit wa halqatu dira. C'est l'anneau d'une cotte de maille. Halqatu dira, car vous savez que la cotte de maille, c'est des anneaux qui sont liés les uns aux autres. Et en général, les anneaux de cotte de maille, ils sont de quel diamètre? Ils sont très petits, ils doivent faire 1 cm ou 2 cm de diamètre au grand maximum. Donc, c'est pour montrer que c'est un anneau qui est de petite taille, qui est lancé dans une terre immense. Et le kursi, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le verset du trône, il est aussi vaste que les cieux et la terre. Et malgré cette vasteté, comparé au trône d'Allah Azza wa Jalla, il est comparable à cet anneau qui est jeté dans cette terre vaste. Et une terre vaste, yani un anneau dans une terre vaste, que représente-t-il? Rien. Non. Le kursi, c'est pas le trône. Non. Il y a une différence entre le kursi et le trône. Le kursi est apporté dans un hadith d'Ibn Abbas, que c'est le repose-pied. Que le kursi, c'est le repose-pied. Et que Al-Arsh, c'est le trône. C'est le trône au-dessus duquel est établi Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni du trône, ni du repose-pied, ni du kursi. Qu'Allah azza wa jal n'a besoin ni de l'un ni de l'autre, et qu'au contraire, ce sont eux qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui les a créés. C'est-à-dire que t'as le kursi, l'eau après l'arche. Non? Le kursi, l'eau après l'arche. Allahu alam.
L'eau, je ne sais pas. Allah a'lam. وكان عشو على المنام. الله أعلم. لا أدري. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche sur ça. Donc, le cher voisin a dit فالعرش مخلوق عظيم. Donc, l'arche est donc une créature immense. Et c'est la créature la plus haute, celle qui est la plus élevée. Et en dessous de l'arche, qu'est-ce qu'il y a ? Jannatul Firdaus. Il y a le paradis appelé Al-Firdaus, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis. Lianna Jannat Al-Firdaus, saqfuha arshur Rahman. Car le toit du paradis, du degré de paradis Al-Firdaus, son toit est. Et l'arche, et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une divergence des savants sur le fait que l'arche, est-ce que c'est le toit du paradis ou est-ce qu'il est au-dessus du paradis. Et le hadith est rapporté dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Isra wa al-Mi'raj, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de l'arche, en parlant de Jannatul Firdaus, wa fawqahu arshur Rahman. Et dans une autre version, wa fawquhu arshur Rahman. Et les savants qui ont pris en compte la première version qui est wa fawqahu, c'est-à-dire qu'au-dessus de Jannatul Firdaus, il y a al-arsh. Et dans la version de wa fawquhu, ici, al-fawq, ça signifie le toit. Donc si on dit fawquhu, c'est-à-dire son toit, et si on dit fawqahu, ça veut dire au-dessus. Et c'est là où la divergence des savants est intervenue, à savoir s'ils prennent en compte la première version ou la seconde. Non. وَالْعَرْشُ فِي اللُّغَةِ السَّرِيرُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ. Et en langue arabe, al-arsh, c'est le siège sur lequel s'assied le roi. Quand au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être imaginé. Et on ne peut pas également se rendre compte de sa grandeur et de sa vasteté. Et Allah Azza wa Jal l'a cité, c'est-à-dire le verset, le trône afwan, dans beaucoup de versets, en le décrivant comme étant immense, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Tawbah, le verset 129, Al-Arsh al-Azim, le trône immense. Et dans Surat al-Mu'minun, les croyants, verset 116, Al-Arsh al-Karim, le trône sublime. Et dans Surat al-Buruj, Dhul Arsh al-Majid, celui qui a un trône immense. Fadalla ala idhami hadha al-makhluq, wa huwa al-Arsh. Ceci prouve donc la grandeur et la vasteté et l'immensité de cette créature qui est le trône. أما الاستواء فمعناه كما فسره السلف العلو والاستقرار والصعود والارتفاع. قال ابن القيم رحمه الله فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. Quant à l'istiwa, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jalla s'est établi au-dessus de son trône, ceci, comme l'ont expliqué les salafs, signifie quatre choses. Al-ulu, c'est-à-dire le fait d'être au-dessus de toute chose. Al-istiqrar, l'établissement. Al-su'ud wa l'irtifa'. Al-su'ud, c'est le fait de s'élever, et al-irtifa', c'est l'élévation. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Sanuniyah, qui est connu, a cité ces quatre choses, à savoir al-ulu wa l'istiqrar wa al-su'ud wa l'irtifa', dans des vers de Sanuniyah, où il a dit entre autres wa hiya, c'est-à-dire en parlant de l'arche, qu'il y a quatre termes qui le caractérisent. Wa hiya istaqarra, c'est-à-dire qu'il est établi. Wa qad ala, et il est au-dessus. Wa kadhalika irtafa, et également il s'est élevé. Wa kadhaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un, et la quatrième chose qui caractérise l'istiwa, c'est as-su'ud, c'est le fait de monter.
وهذه التفسيرات تفسيرات السلف للاستواء على العرش. Et c'est ainsi qu'ont expliqué les salaf l'établissement d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء فيقولون استوى على العرش يعني استولى عليه وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف عند العرب إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق والأخطل نصراني لا يحتج بكلامه لأن النصارى أهل ضلال لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل وليس هو في ديوانه المعروف فليس في لغة العرب تفسير الاستواء تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا هذا تفسير محدث وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب هذا من ناحية والناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله لازم باطل وهو أنه يلزم إذا فسرنا استوى باستولى على العرش أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا ثم استولى عليه سبحانه أخيرا وغلب عليه وأخذه من يد المستولى عليه الأول وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. Donc c'est ainsi qu'ont expliqué les salafs la parole de l'istiwa, autrement dit l'établissement d'Allah au-dessus de son trône. Quant aux gens de l'égarement, ils ont expliqué l'istiwa comme étant l'istila. Qu'est-ce que l'istila? C'est le fait de dominer quelque chose, de s'emparer, de contrôler quelque chose. Autrement dit, les gens égarés disent qu'Allah Azza wa Jal n'est pas établi au-dessus de son trône, car si on dit qu'Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône, on le fait ressembler à ses créatures, on le fait ressembler à un roi qui lui aussi est établi sur son trône. Non, Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône d'une façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala, et d'une façon qui ne ressemble en aucun cas à ces créatures. Et ils sont donc arrivés à faire une interprétation qui est fausse en disant « Istawa » veut dire en vérité « s'emparer ». C'est-à-dire qu'Allah a le contrôle total du trône et qu'il s'en est emparé. Et ceci, bien sûr, est une explication qui est fausse. Et il n'y a rien qui la soutient dans la langue arabe. Car dans la langue arabe, al-istiwa signifie le fait de s'établir au-dessus. C'est d'être élevé au-dessus de quelque chose. Sauf un vers qu'ils ont trouvé, qu'ils attribuent à al-Akhtal, qui est un linguiste qui était chrétien, qui a dit dans un de ses vers, « Qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghayri sayfin wala damin mihraqi » ou « muhraqi » en disant un vers où il dit que Bishr, qui était un gouverneur, istawa ala al-iraqi, c'est-à-dire qu'il s'est emparé de l'Irak. Min ghayri sayfin wala damin muhraqi, sans épée ni sans effusion de sang. Autrement dit que ce gouverneur s'est emparé de l'Irak sans avoir combattu. Et ici, le terme istawa ne peut vouloir dire que s'emparer et prendre le contrôle de quelque chose. Et Ashir Fawzan a répondu en disant que tout d'abord, Al-Akhtal est chrétien et qu'on ne doit pas prendre sa parole car les chrétiens sont des personnes égarées. Et de plus, cette parole n'est pas authentique vis-à-vis de Al-Akhtal et qu'elle n'apparaît dans aucun de ses livres. Il n'y a donc rien dans la langue arabe qui soutient l'explication de l'istiwa par al-istila. Ceci est une explication innovée et le vers qui a été cité de l'Akhtal est un vers mensonger vis-à-vis de la langue arabe. Ceci d'une part. Et d'autre part, le fait de dire cela, c'est-à-dire de dire qu'Allah Azza wa Jal s'est emparé et a pris le contrôle de son trône, ceci veut dire quelque chose ou yani implique quelque chose d'encore plus faux, c'est-à-dire cela sous-entendrait que le trône a été créé sans être sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal et qu'il a été créé en échappant à la yani
à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et au fait qu'Allah azza wa jal a le contrôle de toutes ses créatures. Et que par la suite, Allah azza wa jal s'est emparé de son trône et en a pris le contrôle. C'est ce que ça veut dire. Car Allah azza wa jal a dit ثم استوى على العرش, puis il s'est établi au-dessus de son trône. Si on dit puis il a pris le contrôle de son trône, ça veut dire qu'il y a eu un laps de temps où le trône d'Allah azza wa jal n'aura pas été sous le contrôle de son Seigneur. Et ceci est bien évidemment faux, égarement, et c'est aussi de la mécréance. Wal'iyadu billah. Wa naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.